ça peut être effrayant, tu vois. Sauf que bon, bah quand t'affrontes Dredd, t'as pas le choix, il faut attendre. Alors que là, il faut s'avancer dans l'obscurité. Et bon, bah c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Bonjour. Merde, putain. Bref. Concentrons-nous, il faut monter, enfin non, il faut pas monter le maire. Non, il faut pas monter le maire, donc on va rester déconcentré, c'est très bien. Tout va bien. Pourquoi parler de niveau 20? Je suis niveau 15. J'atteins la moitié de la vie de Margit, c'est déjà bien. C'est Bloody Kiri qui m'ont poussé en me disant, mais si ça passe. Non mais il faut... Putain mais sérieux, ils veulent te voir salé sur le jeu. C'est pas bien ça. Salut Mathis, merci pour les 100 bytes, c'est super gentil. Merci Mathis, merci de ton soutien. Non mais attends. C'est les pires. Ils t'ont amené en fait à Margit. C'est vraiment des bourricots. Hein. C'est vraiment des bourricots. Oh, c'est vraiment des bourricots. Oh putain, il a résistance à la lumière, le bourricot. Putain, il a résistance à la lumière, c'est sûr. C'est quoi tous ces tueurs qui jouent avec résistance à la lumière? Bah MMR égale résistance à la lumière. Généralement, hein, vous remarquerez. Les tueurs qui ont de l'expérience ne jouent pas avec résistance à la lumière. Ou alors c'est très rare. Ou alors c'est parce qu'il y a 4 flashs dans le lobby. Ou alors, je sais pas, en vrai j'en sais rien. Mais du coup, souvent, bah MMR égale... Bah alors on fait péter le générateur. Oh putain. Non. Il se déplace vachement lentement. Il se déplace lentement, non? Oh, il a une pierre tombale complète. Je crois. Attends, est-ce qu'il se déplace lentement? Voyons voir. Ah non, il se déplace pas si lentement que ça en vrai. Hein. Il a peut-être pas la pierre tombale complète. Ouais, je sais pas en vrai. Il y a des gens qui battent Margit, Izzy et Yavar qui tombent dans le vide contre lui. Et en même temps, il faut dire aussi que la zone de fight elle est petite. Hein? C'est tout petit. Normal qu'on tombe dans le vide. Non? Et comment qui tombe dans le vide? Ce matin je me suis tapé de Mayer ceci. Eh bah tu as de la chance parce que Mayer c'est un tueur sympa à affronter en vrai. Putain ce soin, mais vous êtes trop rapide, c'est insane. Vous êtes incroyable. Oh là là, oh là là. Il est où? Il est passé P2. On va se mettre là, on va boire une petite gorgée de café. Ce matin, je me suis tapé 3 de Mayer, c'est parce que il y a la mage des clic-clic. Les gens en ont marre des survivants qui abusent. Je vois ce que tu veux dire. Oui, comme les clics-clics c'est devenu facile à faire maintenant du coup. Ouais. C'est pas une P3 infinie. Ouais, c'est pas une P3 infinie, c'est vrai. Et c'est parti. Depuis hier, je suis monté level 46 sur la Elden Ring. Oh, GG, Maman Bear. Eh, mais Maman Bear, il va torcher le jeu en 2 jours, quoi. Il va torcher le jeu en 2 jours. Mais je te sens déçu de ton aventure sur Elden Ring, en vrai. Ouais, je te sens déçu, non? Salut Bill, ça va ou quoi? Tu vas bien, ça roule ou quoi? J'ai lancé Clicky Gamer avec mon nouveau tueur, Nemesis. God luck. Bon, God luck du coup. En vrai, ça peut passer effectivement contre Margit, mais... C'est pas ce que je te recommande. Enfin, va, prends ton temps, découvre le jeu, tranquille. C'est ton premier Souls en plus, putain. C'est des bourricots quand même, hein, Bloody et Kiri. Je vais les engueuler, hein. Je vais les engueuler, hein, vraiment. Hein. Ce soir, je vais les engueuler. Putain, il t'envoie au casse-pied direct. Il t'envoie sur Margit. C'est des salauds. Mais c'est pas vrai. Ils aiment te voir. En fait, ils aiment bien voir les gens souffrir. Hein. Ils se nourrissent du malheur. Du coup, des personnes qui subissent Elden Ring ou Dark Souls. Je me rappellerai toujours. Hein. C'est à cause de Bloody, hein, que je suis tombé sur Midir. Hein. Et que j'ai souffert. Oui. Mais je vais t'engueuler, oui. Oui, je vais t'engueuler. Oui, je vais t'engueuler. Salut Kiren, tu vas bien, ça roule? Comment vas-tu, Paulet? Et opération basement. Je sens l'opération basement, non? Peut-être pas, remarque, tu me diras. Ah non, c'est pas une opération basement. Ça roule, Kiri? La forme? Tu vas bien? Oui, ça va. Alors comme ça, vous envoyez Madlock sur casse-pipe. C'est quoi ce bordel? Vous envoyez Madlock sur casse-pipe? Bah alors? J'aurais dû faire pareil. Je vais faire pareil la prochaine fois que tu iras sur Elden Ring. Hein? Je vais t'envoyer au casse-pipe.
Je vais t'envoyer sur Malenia quand tu seras niveau 30. Bon, en vrai, bon courage pour aller là-bas niveau 30, hein. Mais... Bonjour, Myers, ça va ou quoi? Tu vas bien? On fait semblant de prendre, on prend pas! Oh putain! C'est la sauce! Arrête de me téma, ça suffit! Oh. Résistance à la lumière. Il faut que j'arrête de l'éclairer parce que du coup il voit mon aura après. Hein, Borico? Oh, et la bambouzelle. Non, même pas. Putain, je suis éclaté aujourd'hui là. Oh, comme d'hab, tu me diras en vrai. Il y a des choses qui ne changeront pas. Cassons la palette. Mais où vas-tu? Ah oui, on repart dans le main, du coup c'est chiant. Salut Pure Skunk, ça va ou quoi? Salut, de retour. Salut à toi, ça va depuis hier, tu vas bien? T'avais marqué sans stream hier si tu dis pas de bêtises. Premier message sur le chat, bienvenue à toi. Hier soir, j'ai affronté un Nemesis qui m'a tunnel. Mais je pense que c'est parce qu'il m'en voulait de lui avoir tiré dessus au lance-roquette sur Resident Evil 3. À mon avis, ça doit être pour ça, il doit être rancunier, je pense, ouais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il est là. Il est là. Oh mon dieu. Mathis, merci encore pour les 100 bytes. Merci beaucoup. 200 bytes. 200 bytes, Mathis. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de soutien. Bonjour, Tartelette. Bienvenue sur le stream. Il fait quoi, ma fille? Je connaissais pas des BD, mais ça a l'air plutôt fun. En vrai, c'est très drôle. Ah, ça dépend ce que tu cherches sur des BD. Moi, je cherche le fun. Ça peut être très drôle, en vrai. Comme des fois, ça peut être très chiant, tu vois. Mais de manière générale, ça va, c'est quand même drôle, en vrai. Attends, perso, quand il regarde en l'air, il a l'air un peu... Bref, c'est Jeff quoi, hein? Qu'est-ce que tu vas où? Pourquoi tu t'en vas? Tu as peur? Je crois qu'il a peur. En vrai, c'est la meilleure émote de Twitch, le Ramolos là en mode. Franchement, elle est cool. Elle est cool. Même quelqu'un qui connaît pas, même quelqu'un qui connaît pas Pokémon connaît Ramolos en vrai. Les tueurs sont tous inspirés de perso pop culture. En fait. Tu as des tueurs en fait de pas mal de licences. Et après il y a des créations des devs. Il y a 30 tueurs différents en vrai sur le jeu actuellement. Bientôt 31. Je sais pas si on peut appeler le 30. Je sais pas si on peut appeler la casseuse de crâne ou la marchande de crâne. Est-ce que c'est vraiment une tueuse ou est-ce que c'est un survivant? Je sais pas. En vrai on va dire 30 tueurs. On va dire 29 aussi parce qu'il y a Trickster, mais il est pas vraiment tueur en fait. Il est plus survivant, victime que tueur, tu vois. Du coup ouais, il y a 29 tueurs en vrai. Ouais, il y a 29 tueurs. 30 et demi. Il y a 29 tueurs sur Dead by Daylight. C'est pas mal en vrai. Tu pourrais jouer dans un film d'horreur. En vrai j'aimerais bien. Mais je n'ai pas ce talent malheureusement. Je ne suis pas acteur. Quoique je suis passé dans un téléfilm quand j'étais petit. En tant que figurant, hein. j'ai pas eu un rôle incroyable, j'ai juste eu un rôle sur un marché, enfin bref. Qu'est-ce qui se passe? Il boudine! Non, Meyer ça! Meyers, allez!
Bye Boudine. Bon, allez, vas-y, on y va. On sort. Quoique, on irait pas mourir autour de lui. Venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Non, il faut pas sortir, tu vas monter de toi et ma mère, c'est dangereux. Arrête, tu vas avoir des games de merde après. Venez. Non, on sort. Bon, bah on sort, allez, vas-y. Est-ce que l'Aizim va réussir à... Non, mais venez, venez, venez. Mais non, mais tu montes toi et ma mère, c'est dangereux. Ah, je... Bon, tant pis, hein, je monte moi et ma mère. Tant pis, j'ai monté moi et ma mère. Ah, putain, c'est terrible. Ah, c'est terrible, j'ai monté moi et ma mère, les amis. Si la prochaine game, on tombe sur une nurse qui a 10 000 heures de jeu et qui nous fout le slug, c'est parce que je suis sorti. Au revoir, Zoro. J'ai monté moi et ma mère, du coup, on se reverra plus, c'est ça? Pas pour rien, il y a quelques chanteurs lyriques dans les groupes de métal. Allez, c'est parti, Byers, du coup, avec la pierre tombale. On va aller découper des survivants, let's go. On est parti. Sur tout cela, session matage. Salut Clo-Clo, ça va ou quoi? Merci de me nourrir comme ça, tu es très généreuse. Merci Clo-Clo, j'apprécie le geste. C'est qui la... l'obsession? C'est la petite Feng. Allez, ça roule. On va aller récupérer du mal antérieur sur cette petite... Michaela. Nice, on est bien, on se met vraiment bien sur ce début de partie déjà. Ça va quoi? Ça aurait été insane qu'elle rentre dans le casier, ça aurait été trop drôle. On a tout récupéré sur elle, c'est bon, c'est nickel. Allez, on change de cible. On a tout récupéré sur Clo-Clo, on a tout récupéré sur Feng. Putain, on va pas se CP 3 instants, c'est insane. Il est passé où, Jake? Nickel. Ah, que c'est ça? Nickel. On reprend une chaise. Allez, il faut qu'on monte à 3 stacks. Ça va Jake, tu vas bien? Oui, vas-y, éclaire-moi. J'ai récupéré mon stack. On va changer de cible. Ok. Vas-y, c'est parti. Ça charbonne pas par ici. Mince. Salut Space Nomad, tu vas bien? Pas de chance, t'as la version avec toutes les palettes. Oui, éclaire-moi. Oh oui. Oh oui, Jake. Goodbye, Jake. Au revoir. Ah. Salut Clo-Clo, ça va ou quoi, tu vas bien? Allez Clo-Clo, c'est à ton tour. Clo-Clo, elle est venue en mode c'est à mon tour. Moi aussi, je veux le couteau. Vas-y, baisse. Michaela, la palette là-bas était tombée. Il te reste quoi? Oh mince. Oh, oh non. Oh, oh mon dieu. Tu es un monstre.
Oh la pauvre. Il la jette vraiment comme un sac poubelle, hein, c'est terrible. C'est terrible, la pauvre. Elle aurait dû viser le placard. Ouais, grave. Ok, ça charbonne pas ici. On va casser cette palette. Tu as brisé mon cœur. Ah non, le cœur c'est de l'autre côté. Ah non, c'est bien là le cœur, ouais, c'est bien là. Il est à gauche le cœur, hein. C'est ça, je lui ai brisé son pauvre cœur. Alors si je mets la main là, vous inquiétez pas, la caméra est inversée, c'est normal, hein. Mais je mets la main à gauche là du coup. Comme la caméra est inversée, on me voit mettre la main à droite. Oui, tu as raison. Il y a besoin. Moins deux, allez. Bonjour. C'est vraiment le réflexe, hein, quasi direct. Elle a raison. C'est exactement ce qu'il faut faire pour pas mourir. Le casier. Elle a mis un boon totem. Ah, ça va être utile en vrai. Ça va être très utile ce petit boon totem. En même temps, si tu inverses la caméra, on voit le mur, non? Je vois le cadavre de Jake. Oh, attends, j'ai cru voir un truc bouger là-bas, non? Oh oui! Clo-clo. Clo-clo. Eh, pour une fois, je suis pas aveugle. Je suis pas aveugle pour une fois, je l'ai vu de loin, là. Nickel. Ah ben voilà, parfait. Les 4 kills. Avec un Myers, pierre tombale. Mais ils m'ont mis tellement bien au début de partie. Ils m'ont mis tellement bien, ils étaient tous là. Ils étaient tous là, tranquilles, sur en train de se balader. Ils étaient innocents, ils étaient là en train de se balader tranquille. Du coup, ils m'ont mis bien, en vrai. C'était la petite game avec Michael Myers. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti, d'ailleurs, ce petit Mikey. Voilà, pierre tombale. Après, c'est un peu du kit ou double, hein. Généralement, c'est soit tu fais 4 kills, soit tu fais 0 kill. Et là, du coup, bon, ça s'est pas trop mal passé.